Bonjour, mon frère, ma soeur. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Que son nom soit sanctifié, que son nom soit glorifié. Lui qui nous a réveillés ce matin, notre Dieu, notre Père. En ce premier jour du mois de novembre, j'aimerais remercier le Seigneur pour ta vie, pour la mienne, pour la grâce qu'il nous a accordée. Nous sommes à 2 mois de la fin de cette année 2020. Quelle grâce il nous a fait en nous gardant en vie. Et chaque jour qu'il nous prête son souffle, nous devons être reconnaissants. Alors, en ce premier jour du mois de novembre, nous allons écouter quelques conseils du sage. Lorsque Salomon dira dans Ecclésiaste chapitre 5, le verset 3, il va dire quelque chose qui va nous concerner, qui va nous interpeller. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Et il continuera en disant, « Mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. » Amen. Voilà le conseil du sage pour nous en ce début du mois de novembre. Nous savons qu'au début de chaque année, nous faisons des vœux. Le monde a l'habitude de faire des vœux. Et nous, les chrétiens aussi, nous faisons des vœux. Mais nous devons faire très attention. Quand nous prononçons une parole devant le Seigneur, nous devons veiller à l'accomplir. Quand nous disons, Seigneur, je vais te suivre toute ma vie, Dieu lui l'a écrit. Quand tu as dit, Seigneur, je serai fidèle à toi, je marcherai dans la sanctification toute ma vie, Dieu, il a entendu. « Oh Seigneur, je t'honorerai chaque jour avec mes biens. » Il a entendu. « Seigneur, je serai fidèle à toi toute ma vie. » Il a entendu. Tout ce que tu prononceras devant l'Éternel, comme une promesse, un vœu, le Seigneur le gardera. Est-ce que tu y prends garde? Est-ce que tu accomplis ce que tu as dit devant Dieu? Ce n'est pas un homme. Alors fais attention à ce que tu dis devant l'Éternel. Et toujours le sage dira dans Proverbes chapitre 20, le verset 25, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait le vœu, un vœu. Oui, c'est une chose qui n'est pas bonne. C'est un piège pour l'homme. Lorsque tu t'engages dans les choses sacrées, Seigneur, je vais te servir, je vais faire ceci ou cela. Et que quelques temps plus tard, tu renonces. Pour toi, non, c'est normal. Non, pour Dieu, ce n'est pas normal. Il dit, celui qui met la main à la charrue ne regarde plus en arrière. C'est ce que Jésus dira. Alors, mon frère, ma sœur, en ce premier jour du mois de novembre, le Saint-Esprit veut nous rappeler à moi et à toi que le Seigneur sera attentif. Quelles sont les promesses que nous lui avons faites? Commençons par faire le bilan et réajustons notre façon de marcher. Si tu ne tiens pas les paroles que tu as déclarées devant l'Éternel, c'est le moment de revenir, de te repentir et de repartir à nouveau sur le bon chemin. Dans les moments difficiles de la vie, nous voyons les gens renoncer à plusieurs engagements qu'ils ont pris. Nous ne devons pas faire pareil, parce que l'Éternel, nos engagements ne tiennent pas compte des circonstances. Cela tient compte simplement de notre relation avec lui et de la crainte que nous avons de notre Dieu. La crainte que nous avons pour lui. Alors, bien-aimés, que le Seigneur te bénisse en ces premiers jours de novembre, qu'il te fortifie, qu'il te soutienne. Son Esprit Saint est là pour nous aider dans nos faiblesses, dans nos infidélités, pour que nous soyons fidèles, puisque un des fruits de l'Esprit,
un des fruits qui ont été cités dans Galates chapitre 5, verset 22, c'est la fidélité. Alors, ce matin, sois fidèle à ton Dieu. Sois fidèle. Lui demeurera fidèle, quoi qu'il arrive. Mais toi, est-ce que tu demeureras fidèle? Alors que le Saint-Esprit t'aide et m'aide à demeurer fidèle devant notre Dieu, notre Père, et surtout aux engagements que nous prenons devant sa face, que toute la gloire lui revienne. Excellent dimanche à toi et excellent mois de novembre dans la présence de ton Dieu. Au nom de Jésus, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.